Si l'assassinat de la fille de l'ancien président congolais Alphonse Massamba Déba est sur toutes les lèvres, dans la capitale congolaise, un seul nom revient. Mais avant de développer cette hypothèse, regardons en arrière. Cela fait plusieurs mois que le fils du président Alphonse Massamba Déba a lui aussi trouvé la mort dans des conditions troublantes, dans un hôpital tenu par les hommes de main du régime oppressif. Allant dans la même logique, la tombe du cardinal Émile Biaïnda avait fait l'objet d'une tentative de profanation par des hommes cagoulés. Une enquête policière avait été diligentée. Sans suite. Guy Brice Parfait Kolela a été empoisonné, puis jeté dans un vol en direction de Paris, où l'expertise a démontré l'idée selon laquelle que ce dernier n'était pas mort de la Covid-19. Que nous révèle au fond toutes ces affaires de morts étranges et intrigantes? Souvenez-vous, dans un audio accusateur, le fils de Marien Wab avait fait l'objet d'une accusation selon laquelle il projetait de faire un coup d'état au régime de Denis Sassou Nguesso. Et nous connaissons la suite. Qui s'est permis de pénétrer dans la villa de la fille du président Alphonse Massamba Déba, puis de l'assassiner froidement, si ces bandits ne bénéficient pas d'une couverture policière? Ne pensez-vous pas que le patron de la police congolaise, connu pour ses crimes de sang, ne serait pas complice? Souvenez-vous encore de l'affaire de Mère Alice. L'assassinat de la fille du président d'Alphonse Massamba Déba à Bakongo a été minutieusement planifié et porte une empreinte déjà connue dans l'histoire récente du Congo. Nous avons des forts soupçons que le patron de la police du régime despotique congolais soit au courant de cette abominable opération criminelle. Sans se tromper, la fille de l'ancien président du Congo, Alphonse Massamba Déba, a été exécutée pour des raisons historiques que nous connaissons tous. N'oubliez surtout pas que le pouvoir du dictateur Denis Sassou Nguesso a besoin du sang humain pour sa longévité. Jusqu'à quand les Congolais resteraient passifs? Continueront de laisser ce régime à assassiner les filles et les fils de ce pays? Un coup d'État est toujours possible. Denis Sassou Nguesso est arrivé au pouvoir dans le sang et les larmes. Et c'est dans le sang et les larmes qu'il quittera ce pouvoir.